La vie est étrange. À force d'être constituée de cellules ovoïdes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des atomes aux planètes, tout est rond. C'est une pure folie. Déjà Darwin pensait que l'évolution n'était que le résultat d'accidents engendrés par l'aléatoire et le chaos. Même si les possibilités offertes par l'inconnu excitent le vivant et le mettent en tension, l'incapacité de prévoir et la tragique soumission au hasard provoquent une dépression et un stress destructeur. La vie est ainsi donc en perpétuel sursis. La matière a fait l'erreur fondamentale de se soumettre à la tyrannie de la courbe. Maintenant, place à l'harmonie la plus parfaite dans laquelle forme et matière ont chassé l'aléatoire. Tout fonctionne, eux ne surchauffent. La dispersion est impeccable. Oui, oui, une vie stable. Parfait. Je ferais peut-être mieux de... Ah bah oui. Viens là. Allez. Hey. C'est comme ça que tu me remercies, sale bête. Mais, nom d'un théorème de Joubert. Incroyable! Mais ce sont des bulles parfaites. Stables. Ah, allez, dégage! Au bureau. Quelle folie! Ah, je sais ce qu'on va faire, on va faire de la culture de germes. Allez hop, on se lance dans les céréales, dans les légumineuses. Allez, du bio. Le bio, c'est super. Le bio.
Ben voilà, Darwin. Voilà le travail. Eh ben, on peut dire que cette fois-ci, c'est plié.